Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Donc, Gaëlle Ndiaye, Warul Tit, Warul Ragal, bienvenue dans cette revue de presse européenne avec Grégoire de ce lundi 23 décembre 2019. Donc, gis nañ né la Gazzetta dello Sport, donc Italie, de coup Ron Bow, mané bégué bu baax. Donc, nañ spectacolazio, donc une lazio spectaculaire. Donc, la lazio de Rome de Foro Juve, Super Coupe d'Italie. 3-1. Donc 3-1 le Côte d'Or. Comme en championnat, hein, la Lazio a battu la Juve 3-1. Pour Wanneko, Juve Malemon, donc Salvate il Milan. Moi sauvé le Milan. Vraiment, le Milan a été battu par une Fantastica Atlanta. Donc Atlanta Bergame de Fajarchico Milan. 5-0, une manita. Ça c'est une honte pour le football milanais. Et c'est pourquoi Donnarumma a pleuré. Comme nous disait, Donnarumma, parce que le Milan a été laminé par donc l'Atlanta Bergame. Corelio de la Sport aussi, Mondial Lazio, donc une Lazio mondiale qui a battu la Juventus de Turin dans une victoire nette et sans bavure. Donc toujours en Italie, Tutto Sport, donc titre aussi, Turbo Atlanta, donc Atlanta qui a marché, qui a détruit carrément le Milan AC. Moi, nous sommes Milan distrutto, un Milan AC carrément en ruine. Donc nous avons aussi la Lazio, Super Lazio, lol, Tutto Sport. Donc c'est toujours les mêmes titres parce que la Lazio a créé donc la sensation en battant la Juve de Cristiano Ronaldo qui est sorti frustré hein, parce que c'est un contact médaille Moudine parce qu'il était frustré par la défaite enregistrée par les Laziale donc face au Laziale Mundo Deportivo Fuerte Espagne nenañ Pinsanzo Blanco nenañ une équipe carrément insipide. Le Real Madrid n'arrive pas à marquer. El Madrid non savait convertir las ocasiones que genera. Il y a Akumula 180 minutes sin marca. Donc 180 minutes accumulées sans marquer. Real de un jeu, deux matchs sans marquer. 2,92 minutes face au Barça au Camp Nou et face à l'Athletic Bilbao. Donc au Santiago Bernabéu. Donc le Real Madrid est en panne sèche de but. Donc Real de un panne but. Donc l'autre marca. Donc Mundo Deportivo. Néanmoins aussi un trident de feu. Un trio de feu. Messi, Griezmann, Suarez. MGS comme Medun Gaïssa. Donc MGS. Donc Messi, Griezmann, Suarez. C'est le trio de feu de FC Barcelone qui permet au Barça de clore la phase aller avec la première place. Premier Barça, deuxième Real, troisième Séville, 34 points. Donc le Real est à 2 points de FC Barcelone. Donc Fenerbahçe France, le journal L'Équipe titre, donc Paqueta, Strootman, Lemar, Grenier et Ben Arfa. Pourquoi? Parce que Lyon, ils ont perdu leurs deux meilleurs joueurs, à savoir Jeffrey Adelaide et Memphis Depay, tous deux. Victime de ligament croisé, rupture de ligament croisé du genou. Montant Milan, donc Milan et Sénégal, Paqueta, parce que le Milan est en pleine donc, crise. Paqueta est visé par Lyon, Strootman aussi qui n'est plus le titulaire avec l'Olympique de Marseille, parce que Boubacar Camara, Modio Palace, Lemar aussi n'est plus le titulaire, Grenier aussi, donc il joue des fois. Donc Ben Arfa, il est sans club, donc Olas vous prouve fort en janvier pour renforcer son équipe parce qu'il va jouer donc les places européennes en championnat, mais aussi. 8e de finale de la Ligue des Champions face à la Juve. Faut que nous équipe Boudagat, sinon Juve dit notre tour Bamou Ted. Donc voici en grosso modo les titres donc de ce lundi de revue de presse. Donc ici en France, l'Olympique, donc ici en Nyoko, donc la Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tutto Sport, Mundo Deportivo et l'équipe. Voici la revue de presse avec Grégoire Omnisport, Tom Gagnéjai, Warul Tit, Warul Ragal, désolé pour tout à l'heure, hein, la vidéo n'avait pas de son, mais ça fait, c'était donc une erreur logistique. Mais quand même, on a rectifié et voici la bonne vidéo avec la voix de Grégoire, votre chroniqueur préféré.